Bonjour à tous et bienvenue sur Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question très simple qui est: comment réagir quand on se prend un vent quand on tente d'aborder une femme ou des femmes dans la rue? Alors, la réponse est très simple, réagissez avec détachement, flegme, voire répartie. Lorsque vous allez vous prendre des vents dans la rue, il va y avoir deux types de vents que vous allez vous prendre. Vous allez vous prendre le fameux vent. Je suis pressée, pardon, j'ai un copain, désolé. Et donc la fille va tracer et partir. Respecter son désir de ne pas poursuivre la conversation et laisser-la partir. Très bien, bonne journée. Et laissez-la partir, ne la poursuivez pas, n'insistez pas. Vraiment, laissez-la partir, souriez et ne prenez pas sa réaction personnellement parce qu'elle ne vous connaît pas et parce que lorsqu'elle vous dit non dans ce genre de situation, elle ne vous dit pas non à vous puisque vous, elle ne vous connaît pas. Elle dit non à la situation, elle dit non au contexte dans lequel vous la rencontrez. Si ça se trouve, vous allez la rencontrer dans un contexte complètement différent et elle sera beaucoup plus réceptive à votre charme. Donc ne le prenez pas personnellement, prenez les choses avec détachement et flegme. D'autre part, vous allez peut-être être confronté à une fille qui, bien que vous l'ayez abordée de manière respectueuse, va avoir une réaction très désagréable et va vous envoyer en fait tout simplement des pics. Là, je vous invite toujours à rester calme et à rester souriant et si possible à faire preuve de répartie et à lui répondre avec sourire, flegme et répartie. Alors par exemple, hier en étant en session de coaching avec un drou et en étant en train de montrer à nos élèves tout simplement à quoi ressemble ce genre de situation, et donc Andrew est venu, a fait mine de m'aborder et j'ai été très désagréable avec lui. Je lui ai posé la question suivante, et t'en dragues souvent des filles comme ça dans la rue, je suis la combienième de la journée? Et il m'a sorti quelque chose du genre, oh, tu dois être la 57e, je commence à être rodée, je commence à être chaud, je pense que la prochaine, ce sera la bonne. Et si vous abordez, et si vous avez ce genre de réaction classe, souriante et pleine de répartie, même si initialement la fille était désagréable avec vous, vous ne lui laisserez pas un mauvais souvenir. Et surtout si vous avez poursuivi, surtout si vous avez malgré tout fait preuve de respect envers elle, quand bien même elle était désagréable. Dans tous les cas, vous aurez vous gagné parce que vous ne vous serez pas laissé démonter. Et sachez une chose, c'est que de la même manière, quand une fille est désagréable avec vous, elle n'est pas désagréable avec vous personnellement, elle est désagréable avec la situation parce que la situation dans laquelle elle se trouve ne lui convient pas. Mais ça, à la rigueur, cela n'est pas de votre ressort. Voilà. Autrement, moi, j'espère avoir été claire dans cette réponse. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Morning Kiss.